Hey tout le monde, c'était Obi Guinivert et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo assez courte pour vous annoncer quelque chose. Donc l'annonce de cette vidéo est que je ne vais plus live sur YouTube mais sur Twitch. Et là vous allez me dire, mais pourquoi Théo, t'as beaucoup plus d'abonnés sur YouTube que sur Twitch? Non, en vrai je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Premièrement, la qualité sur YouTube est pourrie en live. Je vois là, il est pourri. Est-ce que c'est bon pour vous? Car YouTube de base, on est d'accord, c'est fait pour mettre des vidéos en ligne, pas pour live. Alors que Twitch, c'est fait pour live. Donc un conseil, si vous voulez commencer le stream et que vous aviez déjà une chaîne sur YouTube qui compte beaucoup d'abonnés, bah je vous conseille juste de faire une vidéo qui explique que bah vous allez streamer sur Twitch. Et donc du coup, les personnes qui vont regarder la vidéo, ils vont peut-être venir s'abonner à votre Twitch quoi, on sait jamais. Faites vos lives sur Twitch. Deuxièmement, sur YouTube, tu dis un truc pas ouf, ils te bannent 90 jours, ok? C'est abusé, on est d'accord. Alors que Twitch, il te banne seulement si tu dis une vraie dinguerie. Troisièmement, il n'y a pas de troisièmement, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer mon setup pour stream. Donc juste ici, on a le stream deck. Donc si vous savez pas qu'est-ce que c'est un stream deck, je vous laisse aller voir cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Mais du coup, le stream deck, ça sert vraiment beaucoup pour les lives. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les touches. Par exemple, enlever le son de votre micro ou enlever le son de votre casque et plein d'autres choses. Donc ici, une webcam, donc la facecam d'Elgato. Cette facecam est vraiment incroyable parce qu'elle a 60 fps. Elle a une superbe qualité et rien à dire de plus. Donc ici, un petit fond vert rétractable. Donc vraiment, c'est incroyable, c'est encore la marque Elgato, comme la webcam d'ailleurs. Et donc du coup, ici, je vous montre comment rétracter le fond vert. Donc du coup, il y a quand même des loquets à ouvrir et puis après, vous ouvrez comme une valise. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui, hein, j'ai un nouveau t-shirt parce que j'ai tourné cette vidéo durant 2 jours. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner à ma chaîne Twitch. C'est le but de la vidéo en fait. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.